On est obligé de s'en approcher. Tais-toi, tu vas le réveiller. On a survécu. De peu. J'ai bien cru que c'était la fin. Heureusement qu'on risque pas notre vie comme ça à chaque fois. En effet, je te le fais pas dire. Waouh. Quelle belle couleur. Ça fait du bien, un peu de soleil. Tout à fait.
Ça y est, on y est. Bienvenue à Galdina. On passe la nuit ici? Dormir sous la tente, ça me va aussi. Génial! J'espère que vous m'en voudrez pas trop de vous avoir fait chanter. Grâce à vous, je vais pouvoir m'entraîner comme il faut. Je suis journaliste à mi-temps. Le soir, je me transforme en artisan. Je suis bijoutier. Et cette pierre va devenir un vrai joyau. Pour m'excuser de ma roublardise, je vous donne une petite info. La pièce que vous avez a été créée pour l'avènement de l'oracle. Ce type a dû les récupérer à Niflheim. Il en distribuait comme ça, à tout le monde. J'ai moi aussi un cadeau. Je l'ai fait moi-même. Vous m'en direz des nouvelles. J'ai du mal à croire qu'une pièce aussi spéciale ait fini chez un citoyen ordinaire. Bah, comme ça, on a un peu de monnaie. À propos d'argent, et si on réservait un hôtel pour la nuit? Je comprends pas pourquoi le port est fermé. Il y a eu un problème à Alticia. Comme prévu, j'ai passé quelques coups de fil pour vous trouver un bateau. Vous aurez bientôt vos billets. Vous êtes content? Maintenant, tout devrait aller comme sur des roulettes. Faites-moi signe quand vous voudrez partir. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à ce que Dino nous trouve un bateau. Ce type doit avoir le bras sacrément long pour arriver à contourner l'embargo impérial. C'est un artisan, mais il fait beaucoup de choses. Trop bon, sympa. Contente de vous voir. C'est bien de pouvoir compter sur vous. Nos poissons viennent tout juste d'être pêchés. Si vous pouviez nous débarrasser de cette menace. Merci d'être passé chez nous. C'est Alticia. Moi, j'ai trop faim. Alors, vous êtes prêts à monter à bord? Hein, quoi, déjà? Le bateau n'arrivera que demain. Trouvez-vous plutôt un hôtel. Il est pas un peu tôt, là. Comme ça, on sera prêt. Sympa. T'as appuyé pile au bon moment. Ah, celle-là fera un beau souvenir. Thank you.
Waouh, elle est cool celle-là. C'est vrai, je l'aime aussi. Hey, salut, Noctis. Il est où, Ignis? Il devrait pas tarder à revenir. Il y a un problème? C'est à la une de tous les journaux. Quoi donc? Insomnia s'est effondré. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je vais t'expliquer, Noct. Calme-toi. Me calmer? Je peux pas être plus calme que ça! Voilà ce qui se passe. Le Niflheim nous a menti. Il a attaqué la capitale. La nuit dernière, la cérémonie du traité a viré au chaos. Quand la fumée des explosions s'est enfin dissipée, on a retrouvé le roi mort. Non, c'est pas possible. Le fait est qu'on ne pouvait pas savoir. On pouvait pas savoir quoi, hein? Qu'il devait signer le traité hier. Qu'Insomnia allait être... C'est n'importe quoi! On devait aller à Alticia! Je le sais très bien. Pourtant, les nouvelles de l'invasion sont unanimes. Les journaux ne peuvent pas tous se tromper. Non. Je rêve ou quoi? Si seulement. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Alors on pourra en être sûr qu'en vérifiant nous-mêmes. Dans ce cas-là, faut qu'on retourne à Insomnia. Mauvaise idée, ça pourrait être dangereux. Ici aussi, ça peut être dangereux. On y va. J'espère que tout le monde va bien. Tu peux toujours espérer. Ne perds pas la foi. Sérieux?
Parce que la foi peut arrêter des croiseurs impériaux? Calme-toi. Mon père en avait de la foi à revendre. Arrête. L'Empire a menti. Il nous a trahis. Les conjectures ne mènent à rien. On cherche la vérité. On n'aura que des mensonges. Comme cet armistice. Vous avez vu la taille de ces trucs? Ce sont des vaisseaux de l'Empire. Transport de troupes. Plus exactement, de soldats Magitek. Tu parles de robots? Oui. Ce sont des armes humanoïdes, fabriquées en série. Vous êtes sûr qu'ils s'apprêtent à signer un traité de paix, là? Regardez! Les soldats ont installé un checkpoint. Si cette route est bloquée, faut en trouver une autre. Faisons un petit détour. J'aimerais bien comprendre ce qui se passe. Les soldats de l'armée impériale. Ça vous dit de les dégommer? C'est quoi ce que c'est? Vous en regrettez de pas avoir accès des prêts. Ils sortent tous. De l'intérieur. Là où on va. En montant sur la colline, on aura une vue plus globale.
de cessez-le-feu tenus entre les deux nations ont été interrompus suite aux événements survenus dans la capitale. En outre, après la triste annonce du décès du roi Régis, nous apprenons maintenant que le prince Noctis et dame Lunafreya de Tenebrae ont également perdu la vie dans des circonstances encore... Allume ça! Pardon! C'est pas la peine. Cor, c'est toi? Tu es vivant. Voilà qui me rassure. Mais c'est quoi ce bordel? Où est-ce que vous êtes? On est près d'Insomnia. On peut pas rentrer. Normal. Normal? T'es sérieux là? Tu trouves que tout ça est normal? Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Où est mon père? Et Luna? Et pourquoi est-ce qu'on annonce que je suis mort? C'est normal ça? Calme-toi. Je me prépare pour me rendre à Amered. Hein? Pour ton père. C'est la vérité. Je te raconterai tout quand on se reverra. Mais, je suis Insomnia. À plus tard. Ouais. Alors, Noctis, qu'a-t-il dit? Il s'apprêtait à aller à Amered. Yeah.